Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Another Homepage, je suis Nils et on va commencer un nouveau projet sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes aussi emballés que moi à l'idée de ce nouveau projet qu'on va démarrer vraiment from scratch. Alors, d'abord je remarque un truc, c'est que la caméra est pas toute très bien. Hop, elle est pas très bien centrée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un peu de mouvement suite au stream de dimanche dernier et j'ai malheureusement pas eu le temps de tout remettre en état. Et ça inclut le Home Lab. Donc si vous avez manqué l'épisode de dimanche dernier, vous n'avez pas manqué... Enfin, si vous avez manqué des aventures qui se sont pas forcément très bien terminées. Bref, toujours est-il que on est là, malgré tout, et on va continuer sur d'autres sujets. Ce stream, l'idée c'est de démarrer donc un nouveau projet, et ce nouveau projet, c'est une histoire d'automatisation. Et en quoi est-ce que ça consiste? Eh bien, en fait, hein, l'idée, c'est que je me rends compte qu'il est possible de louer pour une modique somme, voire même des fois d'avoir des offres gratuites, et ben une petite machine virtuelle. Ou alors on peut auto-héberger ce genre de choses soi-même sur, par exemple, un Raspberry Pi ou un mini PC. Et ce que je voudrais, c'est en quelque sorte... mettre en place un VPS, donc un serveur virtuel, de façon complètement automatisée. Alors on va voir justement comment... On va réutiliser, j'ai envie de dire, les mêmes outils que d'habitude, quelque part. Mais l'idée, c'est de pouvoir disposer de plusieurs services. C'est là où ça va être un peu différent de ce qu'on a vu. Enfin, je vais quand même réutiliser d'autres sujets que j'ai pu faire dans des streams précédents, puisque par exemple, ce que j'aimerais mettre sur ce VPS, c'est non seulement du serveur web, mais pour le moment du serveur web plutôt statique, on va dire, et ce que je vais vouloir, c'est ajouter d'autres services, comme par exemple du VPN, du Paywall, ce genre de choses-là. Et en fait, là, quand je disais tout à l'heure que je veux vraiment démarrer from scratch, c'est qu'on va vraiment démarrer dès la conception. On va réfléchir un peu aux services qu'on veut mettre en place, comment on veut les mettre en place, et comment on va essayer d'installer ça, peut-être dans un premier temps à la main, pour ensuite voir comment ça s'installe. Alors, pour le moment... Est-ce qu'il y a du monde? Hop. Hop. Et... Alors, ce que je vais faire, c'est que on va se poser... Ah mince, je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié de mettre en place un truc ce soir. Je suis un peu à l'arrache ce soir. J'espère que vous m'en voudrez pas. Le début de l'année est un peu... comment dire? J'avais prévenu un dimanche lors du stream entre guillemets anniversaire. Sur lequel d'ailleurs ça s'était fait un petit peu à la dernière minute aussi. Mais voilà, c'est un peu... voilà, le début d'année est un petit peu chaotique, mais j'ose espérer que on va pouvoir revenir sur des bonnes bases. Salut à toi Fixoulab et bonne année à toi aussi. J'espère qu'elle sera pleine de geekerie, pleine de geekerie qui fonctionne. J'ai malheureusement... J'avais commencé à regarder en replay ton live sur Linux, sur la PS2, parce que forcément je suis très intéressé étant possesseur d'une PS2. Et je crois que j'ai malheureusement jamais eu le temps de le finir, et ça m'embête pas mal. Parce que je pense que depuis le replay, il a dû passer aux oubliettes. Alors, ce que je voulais faire, c'était me mettre comme ça. Voilà. Et surtout,
comme ceci, de façon à ce qu'on ait mon terminal. Hop là. Ah bah écoute, oui, je suis preneur. Je suis preneur, j'essaierai de le regarder. Hey, salut The Vengeur, bienvenue à toi. Eh ben, meilleurs voeux à toi aussi. Et merci énormément pour, pour ton sub. Merci pour ton sub. 3 mois en plus. Oh là là, merci, c'est très gentil. Alors, ce schéma, vous l'avez peut-être déjà vu. Alors, si tu checkes plus tard, Fixou, merci beaucoup. C'est très, très, très gentil à toi. Hop là. L'idée, donc, le schéma que vous voyez ici à l'écran, pour le moment, c'est un schéma qu'on a déjà fait. C'est un schéma qu'on a déjà vu, puisque c'est celui de mon petit labo découverte Payol, si vous vous en rappelez. Et en fait, je ne vais pas reprendre from scratch. Alors, en gros, The Vengeur, on va y réfléchir. On va y réfléchir. C'est bien que tu poses la question, parce que ça va me permettre d'avoir un peu de répondant. Qu'est-ce que je veux automatiser? En fait, voici, justement, je vais commencer avec un schéma. On va faire hop, un nouveau schéma, on va mettre en page 2, je vais l'appeler VPS, celui-là. En gros, quelle est l'idée? L'idée, c'est quelque part d'essayer de profiter au maximum d'une machine avec, j'ai envie de dire, de faibles ressources. Donc si jamais je viens prendre, je sais pas moi, est-ce que j'aurais un serveur, un virtual serveur là-dedans? Hop. Tac, allez. Non mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème The Vengeur, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est bien quand il y a des gens qui discutent, qui posent des questions. En gros, je vais avoir mon serveur virtuel qui est là. Et ce que je voudrais, c'est pouvoir mettre beaucoup de services dessus, mais en gardant une certaine, on va dire, une certaine manière de... Comment dire ? De faire de la séparation, de vouloir faire de l'isolation entre différents services. Donc je vais vouloir, par exemple, avoir sur ce serveur, je vais vouloir mettre un site web. Enfin même, plusieurs sites web, pour être exact. Et puis, je vais vouloir aussi mettre sur ce même serveur, par exemple, un VPN. Parce que, par exemple, j'ai envie d'essayer quelque chose comme WireGuard ou pourquoi pas réinstaller PyVPN, par exemple. Et je vais vouloir rajouter, pourquoi pas, un Payol, puisque dans l'idée, on pourrait imaginer que ce serveur privé virtuel qui est accessible, eh bien, je pourrais très bien y accéder depuis... Alors, je vais me lever pour aller le chercher. Enfin, je me suis à peine levé, on va dire. Eh ben, pourquoi pas avec mon téléphone. Pourquoi pas avoir, par exemple, un Payol accessible depuis Internet en permanence. Hey, salut Alain, merci à toi, bonne année à toi aussi, merci beaucoup, et merci aussi pour ton 3e mois d'abonnement, c'est fantastique. D'ailleurs, je remarque que Alain s'est abonné avec Prime, j'en profite pour vous signaler que si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez gratuitement avoir un sub par mois. Donc ça ne vous coûte rien de plus que votre abonnement Prime. Donc comme Alain là, son sub était gratuit pour lui. Donc je l'en remercie. Merci encore Alain. Alors, où en étais-je? J'en étais à ouais, ça pourrait être pas mal d'imaginer que j'ai en permanence sur mon téléphone une connexion VPN avec un Payol par exemple qui est accessible. Je peux imaginer un Payol, mais je peux aussi imaginer un proxy aussi, si jamais je veux vérifier des choses. Et merci beaucoup pour le follow de la part de... Ah, zut, j'ai loupé le truc. J'ai loupé le truc. J'ai pas la...
J'ai loupé la notif du follow. Warang77, merci à toi, c'est gentil. Je vais me mettre ça en mode... Hop, voilà, comme ça ce sera mieux. Et je vais pouvoir revenir ici et j'aurai accès hop, au chat. Où en étais-je moi ? Hop, je voulais mon schéma. Donc voilà, en fait, je voudrais pouvoir mettre plein de choses, plein de services sur ce, sur un VPS, donc sur une machine qui a plusieurs particularités. La première, c'est qu'en termes de ressources, elle va être relativement limitée. La deuxième, hop, non, je disais la première, la deuxième, c'est que comme c'est une machine virtuelle, bah, je ne vais pas rajouter des machines virtuelles par-dessus. Je doute fort que typiquement que des fournisseurs comme j'ai envie de dire comme bah, comme OVH, comme Scaleway, comme AWS, GCP ou d'autres proposent des machines virtuelles qui permettent la virtualisation imbriquée, la nested virtualization qui est possible. Hein. J'ai déjà fait et j'ai déjà montré en stream qu'on pouvait faire de la virtualisation imbriquée. Mais là, en l'occurrence, je doute fort que la plupart des providers de cloud nous laissent faire. Voilà. Je pense, pour revenir sur... Alors, tu passes en mode gaming, tu suis... Bah justement, The Vengeur, j'allais te dire, voilà, je t'ai globalement donné un peu l'esprit de l'objectif. Et c'est marrant que tu parles de ta réponse universelle, parce que justement, ce que je me dis, c'est que ça va être l'occasion de faire du conteneur et d'en faire une bonne palanquée. Salut à toi, The Touriste, bonne année à toi aussi, merci. Salut à toi, Electronic Brain. Eh bien, bonne année à toi aussi, merci. Alors, absolument pas, Gizmo. Et d'ailleurs, salut à toi. Absolument pas. Docker, ce n'est pas de la virtualisation imbriquée. En fait, Docker, à la base... bonne année à toi aussi, Gizmo. Docker, à la base, de mémoire, quand les premières versions de Docker sont arrivées, l'idée, c'est... Comment ils appelaient ça, je crois ? Ils disaient que c'était du chroot on steroids. Et ça se basait au début, alors je crois que ça ne l'est plus depuis, ça se basait sur un truc qui s'appelle Linux Containers. Et l'idée, en fait... c'est d'utiliser des fonctionnalités de d'isolation. Je pense que c'est le terme approprié, des fonctionnalités d'isolation disponibles dans le noyau Linux qui permettent justement de pouvoir faire fonctionner des ce genre de trucs comme justement des conteneurs. Voilà, par exemple, justement, FreeBSD est arrivé avec les jails il y a des années de ça avant. Si je reviens ici, et en fait, une des fonctionnalités sous Linux qui a été utilisée pour ça, ce sont les cgroup. Hop là. Alors, je ne vais pas aller vous expliquer dans le détail ce que c'est que les cgroup. Je vais plutôt essayer de vous poster ça. Bon, je vais revenir avec... hop, on va mettre ça ici. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Hop là. Je vais vous poster le lien, bien entendu... de Wikipédia sur les cgroup. Et en gros, l'idée, voilà, c'est de pouvoir faire de la limitation de ressources, de pouvoir dire que on peut ne pas dépasser une limite de mémoire, on peut prioriser des ressources processeurs, on peut faire séparation par espace de nommage. Donc comme ça, on se retrouve, et leur schéma a l'air pas mal. Et voilà, pareil, figer les groupes ou créer des points de sauvegarde, enfin voilà. Dans l'absolu, les cgroup sont quand même assez... Oui, quitter la page. Hop, voilà. Et en fait, on peut avoir... Alors là, il montre un exemple avec systemd and spawn. Alors, c'est pas ce que je vais utiliser. Et alors, The Vengeur, merci beaucoup pour la petite pub. Effectivement, on pourrait en discuter plus longuement sur le Discord. L'adresse du Discord de la chaîne se trouve par là. C'est très simple et c'est ouvert en accès à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus. Alors, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de vous proposer, en fait, c'est que ce soir,
on fasse plutôt quelque part de la planification, j'aurais tendance à dire ouais, de la planification. Je serais même tenté. Je sais pas si je peux dire conception. Mais on va pas forcément rentrer les mains dans le cambouis tout de suite de ce soir. Donc ça va être peut-être un petit peu plus chill, mais l'idée c'est de réfléchir un peu justement à ce qu'on va mettre. Et comme vous savez, moi je suis plutôt un aficionado. Bon, j'étais en train de me dire, on pourrait quand même popper une VM pour commencer à faire des essais de conteneurs. Donc au moins on va pouvoir faire des trucs comme ça. Mais on va pas se lancer peut-être tout de suite dans des trucs d'automatisation dès maintenant, mais on va peut-être pouvoir jouer avec des conteneurs ce soir. En gros, ce que je me dis en termes de techno, c'est que bien entendu, comme d'habitude, je vais vouloir monter une Fedora. Et en termes d'outillage de conteneurs, je pense que je vais vouloir partir sur Podman. Je pense que vous savez déjà, j'ai un certain biais vers le monde Red Hat et vers le monde Red Hat, pardon, et vers Podman plutôt que Docker. Alors, The Tourist, on fera peut-être pas d'Ansible tout de suite, mais je pense qu'à un moment, on va regarder comment mettre en place des conteneurs Docker via Ansible. À un moment, je pense que ça va arriver. Peut-être pas ce soir, mais ça va. Je pense qu'à un moment, ça va arriver. Alors, ce que je vais faire, c'est que je dois avoir qui traîne quelque part. Spoiler, c'est relou. Ah! C'est rassurant. C'est rassurant. Alors, est-ce que j'ai... Alors, ce que j'étais en train de me dire, c'est est-ce que j'ai laissé traîner dans mes images... Ah, bah non, je ne l'ai pas, a priori. Donc, on va commencer par ça. On va aller sur le site de Fedora. Hop. Bah alors, t'es passé où le navigateur? Ah, bah voilà, t'es là. Hop là. Hop. Allez. Fedora. Cloud Edition. Hop. Fedora Cloud. Et on va pouvoir aller récupérer l'image cloud. Ready to deploy. Oui. Bah alors c'est où? Télécharger maintenant. Voilà. Et les téléchargements, qu'est-ce qu'on a en Fedora 37. Est-ce que c'est l'image brute compressée que je prends habituellement? Je crois que oui. Allez. Fedora. Cloud Base. Et on va bouger dans libvirt. Boot. Libvirt boot. Alors. On va faire un petit NXEZ. Hop. Et en toute logique. Ah non, tiens, je crois que c'est la version. Je sais pas, ouais, je crois que c'est la version de base OpenStack que j'ai tendance à prendre. Oui, image QCO2, c'est ça. Généralement, je prends plutôt celle-là. Voilà. Donc déjà, ça commence bien, mais c'est pas grave, ça se télécharge assez vite. Allez. Et non. Alors. Downloads. Fedora Cloud. Hop. C'est bon, c'est téléchargé, c'est téléchargé. Hop là, voilà. Donc, j'ai ma Fedora Cloud Base en QCO2. Je crois que dans mes images, ouais, c'est ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un petit file de la Fedora. Bah alors, ah oui. Boot Fedora Cloud Base 37 QCO2. Donc on va pouvoir faire un petit CP moins. Alors je crois pas que CP gère les images sparses. Est-ce qu'il gère les images sparses?
CP. Symbolique, non. Si, moins sparse. When, eh ben... hop. Allez. Moins VP, moins sparse, de mémoire égale auto. Et on va copier ça et on va le mettre dans images et on va appeler la machine VPS. Ouais, on va l'appeler VPS0.qco2. Voilà. Alors, pendant ce temps, The Vengeur, rien à voir, mais tu es content, alors tu le dis, tu as acheté une 4070 Ti aujourd'hui et tu la reçois demain. Eh bien, félicitations, tu vas t'amuser avec un nouveau jouet, je te souhaite d'en profiter. Je t'avoue que quand je vois les prix globalement des cartes graphiques, et j'en ai souffert entre guillemets parce que j'ai acheté la mienne, moi j'ai acheté une 3070 Ti il y a quelques temps. Ah oui, d'accord, tu renouvelles souvent, effectivement, si tu n'as. Moi je sais que j'ai sauté une génération. C'est-à-dire que j'avais une GTX 1070 et je suis ensuite passé à la 3070 Ti. J'ai pas pris les 2000. L'idée, c'est que je pense que je vais sauter les séries 4000 et je sais même pas si après je vais vouloir encore en reprendre. Dans la mesure où je ne joue plus beaucoup. Certains auront remarqué d'ailleurs que les jeux auxquels je veux vous montrer que je joue sont pas les jeux les plus gourmands de la Terre, donc je pense que ma 3070 Ti va me durer longtemps. Je le souhaite parce que, étant donné que je l'ai prise en plein pendant la montée des prix durant le Covid, je vais vouloir l'amortir sur longtemps. Après, ça reste quand même une somme, hein, 900 euros, ouais. Après, bon, je vais pas te dire comment dépenser ton argent, si ça te fait plaisir, c'est le plus important. Mais c'est vrai que je trouve ça assez cher dans l'absolu. Mais j'ose espérer que la performance sera au rendez-vous. Donc, ah oui, ça a été bien pire, tout à fait. Mince. Hop, je me suis encore planté. Qu'est-ce que je cherchais, moi? Je cherchais ça. Et je voulais vous montrer ça. Puisque, bien entendu, mon poste de stream est sous Linux. Et on va faire import. Hop. On va aller dans les images. On rafraîchit. Et on a un VPS0. Choose volume. Hop. Et c'est du Fedora. Je prends... Ah bah oui, Fedora 37, parfait. Voilà. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vraiment limiter en mémoire. On va lui mettre seulement 1 gig de RAM. Et je l'appelle VPS0. Et on va customiser. On va le laisser en... est-ce qu'on va le laisser en... Ouais, on va le laisser en NAT. De toute façon, je pourrais y accéder. Hop. Je vais quand même aller modifier 2-3 bricoles. C'est qu'on va lui mettre un socket, un cœur, 2 threads. Parce que généralement, c'est ce qu'on va avoir comme puissance. Boot option, Virtaio, ça c'est bon. Ouais, non, le reste c'est bon. Allez hop, begin install. Begin install. Allez hop. Et donc, il démarre tout de suite. On va se faire 2-3 manips à la mimine, juste pour dire. Et puis... voilà. Alors, localhost... Ah, mais je me demande s'il faut pas... je me demande si le problème, c'est pas les... mince. Alors déjà, je vais vous... agrandir un peu le truc. Scale display toujours, voilà.
Et je crois que de mémoire, si je tente un truc du genre. Je crois que j'ai paumé les logins et les mots de passe par défaut en fait. Je sens qu'il va falloir que j'aille la hacker en fait. Login Akutis, Fedora, Fedora. Hop là. Ou pas. Bon, je pense que je vais aller là. Ouais, c'est ça. Voilà, Rescue Mode. Et paf. On va faire ça, on va faire le rescue mode. On va la rebooter. Enfin, on va l'éteindre déjà. Force off, yes. Hop. Et ensuite, on la redémarre. Hop. Et ensuite. Eh non, 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 reviens là. Hop là. Force off. Voilà. Et tu redémarres. Hop. Voilà. Alors. J'ai pas vu passer de mode rescue, tiens, il n'y avait pas de. Mais bon, on va faire ça, hein. En gros, on va mettre init égale bin bash. Hop. Init rd. De la route. Hop, bin bash. Et contrôle X. Ah, zut. Kernel panique, oui, normal. Hop là. Allez. C'est ballot, j'avais pas fait ça. Ah, mais. C'est parce que je fais tabulation en fait. Hop. Non. Ah, punaise. Hey, je suis vraiment pas assez rapide ce soir. J'aurais peut-être dû me dire, tiens, je vais la faire à grand coup de terraform ou à la main. Voilà, et donc normalement c'est ça. Ah, RW init égal. Ah, il faut que je rajoute dans le ici en fait. RW, on a dit init égal slash bin slash bash. Voilà. Et c'est parti. Ça c'est dommage, c'est du butter FS, mais c'est pas grave. Bon alors, Bon, pendant ce temps, en gros, l'idée. Effectivement, ça va être de faire du conteneur. Et ce que j'aimerais bien faire, en fait, c'est organiser les choses. Salut à toi, Tololo. Bienvenue. Ce que j'aimerais faire, c'est en fait, j'aimerais proposer en fait un premier conteneur ici, qui va être un reverse proxy. Pour d'autres sites, en fait. On pourrait avoir un site 1 ici. Hop. On pourrait avoir un site 2 ici. Attendez, je vais peut-être zoomer un peu au niveau de la. Hop. Peut-être pas tant que ça non plus. Voilà. Hop. Le site 2. Et puis on pourrait imaginer avoir le VPN. Hop. On pourrait imaginer d'ailleurs d'en avoir plusieurs. Parce qu'on pourrait mettre par exemple un OpenVPN. Et on pourrait envisager d'avoir hop, un WireGuard. Et ici, on aurait un Payol. Et tout ça, ce serait donc.
dans la même machine virtuelle, en fait. Donc là, on pourrait mettre VPS. Non, je ne veux pas le mettre là. Hop. Bon. VPS. Il n'y a pas moyen de le mettre en dessous? Non. Il vaudra mieux que je le mette hop, ici. Voilà. J'espère que c'est assez gros pour tout le monde, que vous le voyez. Hop. Il y a moyen que là. Hop. Voilà. Hop. Ça, on va pouvoir l'enlever. Alors, où est-ce qu'on en est sur le démarrage de la machine? Non, toujours pas. C'est dingue ça, je pensais que... Qu'est-ce qu'il disait lui? Ok. C'est pas tout à fait ça. Alors, je veux pas faire une install classique de Fedora Server. J'aurais préféré prendre une Fedora Cloud, mais... Alors... je sens que ça va finir, effectivement... ça va finir en Cloud Init, hein. Alors, hop. Oh oui, non, mais attends, je vais quand même pas aller refaire une image. Oh, je vais pas commencer à faire du Cloud Init juste pour popper une VM quand même. Ah, j'ai eu une idée. Ah. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Salut The, bonne année d'ailleurs. Bon, on va enlever ça. Hop, on va le mettre dans HTMP. Hop là. Ok, si je fais un petit git pull -r, normalement, je suis up to date. Ok, cool. Qu'est-ce que j'ai dans mes... Alors... une machine, deux VCPU, deux VCPU et on va lui mettre seulement 1 gig de RAM. On va se mettre... alors, Electronic Brain, c'est par habitude. C'est par habitude. Mais ça m'arrive des fois de changer, hein. Quand on avait fait le truc sur, sur Payol, je me demande si j'avais pas fait quelques Debian aussi. Hop. Et là, on va utiliser hop. Par contrainte de prendre ce sur lequel il est le plus à l'aise. C'est une manière de tourner les choses. C'est une manière de tourner les choses. Hop, storage, nanana, nanana. Ok.
Et package, ouais, ok, allez. Ensuite, Terraform init. Terraform init. Terraform plan. Tiens, il s'est viandé sur le provider. Hop. Ok, décidément, c'est pas ma soirée. Pourquoi il arrive pas? Ah, mais c'est parce qu'il veut se connecter sur, il veut se connecter sur le Home Lab, c'est pour ça. C'est parce qu'il veut se connecter sur le Home Lab que je suis bête parfois. Et je voulais en profiter pour jeter un œil et le subnet, on va lui dire plutôt, on va lui dire. Si on lui rend 10 points, on va dire 13, 37, tiens. Hop. Voilà. Alors, il veut en ajouter 6, il veut en changer 0, il veut en détruire 0. C'est plutôt bon signe. Allez. Terraform apply. Finalement, moi qui me disais je vais faire les choses à la main, ça va pas prendre trop de temps. Finalement, c'est encore mieux d'aller... Ah, j'ai parlé trop vite. Il y a un network ManyNodes qui existe déjà. Ah, fichtre. Est-ce que je l'appelle... Alors, est-ce que j'ai toujours un réseau qui s'appelle ManyNodes là-dedans? Oui, j'ai toujours un réseau qui s'appelle ManyNodes. Parce que le destroy... Bon, hop, on delete. C'était pas prévu. Je dois avouer que... je pensais pas passer du temps là-dessus. Salut à toi Sébastux, mais bonne année à toi aussi et merci beaucoup pour tes vœux. Et on va pouvoir détruire ce truc là. Hop. Voilà. Je crois que je voulais regarder si j'allais pas faire une évolution justement de ManyNodes pour pouvoir lui spécifier un nom de réseau. Remarque, si ça se trouve, je l'avais. Hein. Terraform.tfvars.example. Parce que par hasard, non, j'avais pas le nom du réseau. Je devrais peut-être essayer à l'occasion de rajouter ça en variable. Si ça se trouve en plus, voilà, j'ai un variable network name, donc je pourrais le... Allez, on va refaire un petit Terraform apply. Non, pas un Terraform apply. Terraform plan. Oui, plan. Voilà, et apply. Yes. En fait, c'est un mal pour un bien, parce que au moins, comme ça, je vais pouvoir détruire et recréer le VPS à volonté, et revérifier que quand on expérimente, on les fait à la main, et ensuite on automatise et on s'assure que ça revient comme on veut. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce que... de toute façon, en fait, c'est déjà fait. Voilà. Donc, si je viens ici et que je fais un petit SSH comme ça. Voilà. Je suis sur ma machine. Sudo -i. Ok, c'est cool. DNF clean all. Ah, il a pas fini. Salut à toi, Bilouré. Bienvenue. Hop. Ah oui. Alors, on a un DNF qui tourne. De toute façon, c'est très simple. Hein. Voilà. Il y en a 19 ready. Ah, bon signe ça.
Eh, mais si c'est fini, ça veut dire qu'on va pouvoir faire un petit sudo hto. Ah bah non. Success. Je dois pouvoir voir dans... Alors, ça, on va l'enlever. Finalement, j'ai un node 0. Bon, qui n'a pas de... hop. J'aurais dû l'afficher avant, en fait. Mais bon, je suis connecté en SSH dessus. Et pour le moment, si je fais un petit rpm-qa pipewc-l, 426 packages. Donc, ça devrait le faire. Alors, ce qui est à noter, et c'est ce qui m'intéresse aussi, et de voir à un moment ou à un autre, c'est que pour le moment... si je fais un petit grep moins hit firewall d, on se rend compte qu'il n'y a pas de firewall. Donc ça, c'est un truc, on va pour l'instant commencer gentil et pas se préoccuper du firewall en fait. Est-ce que Podman est installé par défaut? Non. Un truc que je voudrais tenter à l'occasion à un moment, c'est de faire jouer avec des interfaces web. Je pense pas forcément à Portainer, mais peut-être de faire joujou avec Cockpit, par exemple. Alors, dnf-y install podman. Ah, il installe des choses quand même. J'ai même pas fait gaffe si SE Linux était... Normalement, SE Linux est en mode enforcing. Tiens, il vient me ramener un NFTable. Et Cockpit gère Podman sur Fedora. Ah bah écoute, je suis tenté de te proposer un truc, Sébastux. C'est que pour démarrer, on va commencer gentil. Et on va aller chercher les trucs de Cockpit. Je vais attendre qu'il ait fini de m'installer Podman. Voilà. Et on a même Cockpit Podman, tiens, allez. Cockpit. Alors, si je fais ça, il va me chercher quoi exactement? Ok. Allez. Alors pour rappel, on fait ça sur une petite VM. Hein. Il y a 2 vCPU et 1 gig de RAM. Tiens. Ok. Alors. Ok. Est-ce que je ferais pas mieux de faire un enable aussi? Nanana. Ok. Hop. Si ça, je peux me mettre ici, et c'était ça. Ou là, Nils password. Ok. Ah bon? Ah bon? Si ça se trouve... Variable.tf. Variable password. Je pense que j'ai pas cété le mot de passe route en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sudo -i passwd.
Voilà. Mieux. Mieux. Alors, effectivement, on a quelques trucs de base. Ah bah démarrer Podman, hein, oui. C'est très bien ça. Créer un pod, créer un conteneur. Détails, intégration, bilan du fonctionnement. Ok, donc c'est super, on va pouvoir faire quelques expérimentations, ce genre de choses-là par moment. C'est cool ça. Et il faut aller chercher une image. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a chez Fedora Project? Si je tape Fedora. Aucune image trouvée. Ouais, tous. F32, F34. Fedora latest sur docker.io. Ok, c'est cool. Docker.io, Dokken, je sais pas ce que c'est. Alors si je fais ça, et en plus, vous voyez, on peut même cliquer et faire limite mémoire et part de CPU. Pour le moment, on va pas donner de limite. Commande slash bin slash bash créer et démarrer. Hop, intégration, journaux, console. Ah bah voilà, parfait. Et là, normalement, si je vais ici et que je fais un petit, tout en croûte, Podman PS, j'ai ma VM. Enfin, pas ma VM, j'ai mon conteneur qui tourne. Ok, c'est cool. C'est cool. Donc, ce que je vais envisager de faire pour ça. Ah ouais, en plus, j'ai l'espace disque. J'ai l'historique, ok, c'est cool. Et si je décide d'en créer un autre, créer un conteneur, on va aller chercher une image Alpine, par exemple. Voilà, on va peut-être laisser SH et hop, créer et démarrer. Alors, voyons voir ce que ça donne. Il est là, le conteneur. Il est en fonctionnement. Et j'ai aussi la console qui est ici. Parfait. Oula, bah non, je veux pas le. Alpine. Oh bah ça va, j'ai une 3.17. Alors vous voyez peut-être un peu petit. Je vais. Et pourquoi j'ai pas le. Ok. Alors, est-ce qu'il y a moyen de zoomer un petit peu? Ah oui, c'est cockpit, effectivement. Hop. Donc ça va, c'est plutôt pas mal, hein. On peut arriver à faire des trucs de façon graphique et se mettre dans les consoles. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Est-ce que par hasard... Ansible Galaxy. Et si on fait de la recherche et qu'on cherche deux choses, qu'on va chercher cockpit d'abord. Alors,
Ah, ça, c'est peut-être des gens. Alors là, il y a un truc Oasis Role. Je sais pas ce que c'est que ça. Collection of roles developed and by use. Ah, ça, c'est intéressant. Si c'est développé par Red Hat. Donc ça, c'est un rôle entier. Alors, en gros, Gizmo, Cockpit, dans l'absolu, te permet de gérer non seulement des machines virtuelles, mais aussi des conteneurs. Alors, dans l'immédiat, je n'ai mis que des conteneurs. Si je te remontre, donc on est dans une VM qui est là. Et mais ce que je peux faire aussi, est-ce que j'ai installé Cockpit sur ma machine ou pas ? Je crois pas que je l'avais installé. Non, je l'ai pas installé sur mon PC, mais je pourrais très bien installer Cockpit sur mon PC de stream et utiliser des utiliser les VM via Cockpit plutôt que d'utiliser Virtual Machine Manager. Alors. Donc on a un role cockpit dans une collection qui s'appelle System, qui est chez Oasis Roles. Et on doit avoir un repo sur GitHub. Ah, c'est fantastique ça. Je vais vous... Hop, copier le lien. Je vais vous le filer. Il n'y a pas de souci, Electronic Brain. C'est gentil d'être passé. Mais si jamais il y a des trucs sur lesquels tu veux que je revienne plus en détail, il ne faudra pas hésiter à le dire. Hein. Je suis pas là pour te perdre. Alors, tu as testé une fois sur une VM. T'as pas été emballé trop Proxmox. Alors. Ah oui, pour... Effectivement. Donc si jamais on veut tenter un... Si on veut tenter un truc avec un playbook... Ah, il y a moyen. Voilà. Cockpit. Ah, on a même les variables. Ah, mais ça, c'est les variables. Ah, autant. Red Hat Subscription Manager. Mais non, attends, je vais pas. Alors. Pas de soucis électroniques, Brain. J'espère qu'on te reverra bientôt. Bonne soirée à toi. What? C'est quoi cette bêtise? La valeur par défaut pour cockpit version. Ouais. Je suis moins emballé là tout à coup parce que déjà le module RHSM, je trouve ça un peu abusé. Ces repos sont nécessaires pour installer le service cockpit. Mouais. Alors, ce que j'avais fait, c'est que oui, j'avais installé une Fedora Cloud Gizmo. En gros, j'ai fait un petit coup de Terraform vite fait avec du Cloud Init pour popper rapidement une Fedora Cloud pour pouvoir simuler dans un premier temps un VPS lambda. Alors, Gizmo, pour être exact, moi, je me suis basé sur ça. Hop.
Et j'ai utilisé l'image pour les clouds base OpenStack. Ah bah oui, c'est la même Gizmo. Et donc ensuite, j'ai installé Cockpit à grand coup de... Donc effectivement, ça a l'air sympa, mais comment dire, j'ai pas l'impression que je vais pouvoir automatiser une installation de Cockpit si jamais j'ai envie de me faciliter la vie. Enfin, mis à part juste dire dans un dépôt de package. Ce que je veux dire, c'est que éventuellement avec Ansible, je pourrais lui dire vas-y, installe-moi des packages, donc installe-moi Cockpit et Cockpit Podman, mais je sais pas s'il y aura un réel intérêt en dehors de enfin un réel intérêt d'utiliser pour moi ce rôle là en fait. Alors tu voudrais que j'installe Unohost sur un petit VPS en fait? Sébastux, qu'est-ce que je fais dans CloudInit? Hop. Metadata. Non. User data. L'installation de Cockpit, non, je le fais pas dans CloudInit. Dans CloudInit, alors j'ai une liste de package qui est là, tu vois, avec une variable. Et si je reviens dans Terraform et que je prends mon terraform.tfvars, en gros, en package, je lui ai dit iftop, lsof, rsync et tmux. Mais en gros... Alors, oui, tout à fait, Sébastux, je peux l'ajouter là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, pour le moment, la partie Terraform CloudInit, je l'ai juste utilisée pour gagner du temps, pour avoir rapidement une machine fonctionnelle. En fait. Et c'est juste pour pouvoir avoir facilement voilà, tout ce qui est mot de passe par défaut, ce genre de choses-là. Pour pouvoir faciliter l'utilisation de la VM. J'ai peut-être pas forcément été très, très explicite sur ça. Mais en gros, l'idée, c'était juste, voilà, c'est je viens juste déployer rapidement une machine virtuelle. Pour pas aller en direct, aller par exemple louer un VPS chez un provider. En gros, l'idée, tout à fait. Pour le cockpit, ça a été un coup de DNF plutôt. Si je reviens, oups, j'en étais où ? Ici, en gros, et que je fais un petit history. Hop, tu vois que j'ai fait, un DNF mon Y install Podman et un DNF install cockpit et cockpit Podman. Et donc, ce que je me disais, c'est est-ce que ça vaudrait le coup d'essayer d'automatiser l'installation de Cockpit et de voir s'il y avait un rôle officiel ? Oui, il y a un rôle officiel, mais il m'a l'air quand même relativement casse-pied. Il a l'air d'avoir des dépendances, là, comme ça, des histoires de RHSM. Alors, je comprends que ce soit du Red Hat, mais il n'a pas l'air d'avoir été pensé pour Fedora, ce truc. Parce qu'il dit RHEL7 ou équivalent et valide Red Hat Subscriptions. Je vais pas aller monter une RHEL7 avec des souscriptions Red Hat pour ça, quoi. Oui, tout à fait, la Web UI que je tapais en local, c'est Podman. Enfin, non, c'est pas Podman, pardon, c'est Cockpit, en fait. Si je reviens là-dessus, ça, c'est Cockpit, en fait. Ça, là, c'est Cockpit. Et en fait, ça vient s'interfacer avec des conteneurs Podman, puisque j'ai installé Podman et que j'ai pu, via l'interface web, voilà. C'est un peu plus clair pour toi, Gizmo ? Voilà, exactement. Cockpit avec un plugin Podman, puisque j'ai installé les deux.
Salut à toi, Volpino. J'espère que tu vas bien. Ok, super. Alors, comment on va s'y prendre pour la suite? Pour la suite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être essayer de se faire. Hey, salut à toi Yoda. Et bonne année d'ailleurs, Volpino et Yoda, bonne année à vous. Ah non, je crois que Yoda t'étais déjà passé dimanche, mais je te souhaite quand même bonne année. Oh bah écoute, ça va plutôt bien. Et toi? Allez, on va l'appeler. De même, santé, tout ça, oui, pareil. Comment on va appeler ce dépôt? Poupouloupoupoum. Non, on va pas l'appeler Pouloupoupoum. C'est malin maintenant, des fois, dès que je commence à avoir des petits. Des onomatopées ou des trucs comme ça, je me dis, est-ce que ça, c'est dans le bingo de mes tics de langage? Ou est-ce que ça va finir par rentrer dedans? Si vous vous posez la question des bingos, des tics de langage et que vous n'avez pas l'habitude, bah, allez voir justement sur le Discord. Twitch ne veut plus rien savoir de ton côté. Ah bah mince alors, The Tourist. Bah bonne soirée à toi aussi. On va l'appeler Automated VPS. Et on verra si on le met vraiment sur GitHub, mais pour l'instant. Tu as pas mal joué avec d'un côté IP7 et le cron de plusieurs blacklists. Et d'un autre côté, tu as joué avec WireGuard. Ah, tiens, c'est marrant ça. J'ai mon retour vidéo qui vient de me lâcher, justement. Twitch qui a l'air d'avoir du mal ce soir. Non. Hop, un petit refresh. Oula. Ah bah non, il me... Ouais, ça. Effectivement, c'est mauvais signe. C'est peut-être pas la bonne soirée pour streamer. Ouais, bah, c'est ce que je viens de faire. Enfin, plutôt contrôleur, mais oui, effectivement, rafraîchissement en cours sur mon retour vidéo. Et pour l'instant, je n'ai rien. Bref, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Si vous m'entendez, ce sera déjà pas mal. Je devrais peut-être me mettre à faire de la radio. Alors, comment est-ce qu'on s'y était pris la dernière fois? Comment est-ce qu'on s'y était pris? Alors, je vais vous demander un petit instant. Alors, voyons voir ça. Ouais, Gizmo, on me le dit d'autre côté que Twitch est cassé, et effectivement. On va dire, je vous lis, hop, et c'est pareil ici en fait. Ah. Est-ce que ça revient? Est-ce que ça revient? Eh, ça a l'air d'être revenu. Ça a l'air d'être revenu. C'est cool.
Eh ben, re. Ah non, moi c'est reparti. Bon, je vais peut-être pas non plus jouer à ça. Ah si, c'est bon. Enfin, j'espère. Ça a l'air d'aller. Bon. Ouais, il y a dû y avoir, effectivement, comme tu le dis, Gizmo, un gros bug dans la matrice. Donc, ce qu'on va faire, c'est un peu comme pour le Labas Code. On va se faire un petit mkdir Ansible. Voilà. Et je voulais regarder s'il n'y avait pas des rôles pour du podman. Aussi. Est-ce que par hasard dans les rôles comme ça là, si je vais regarder Podman, non. Container, il y a un truc. Redonne pour Alain et pour Gizmo. Eh ben dites donc. Est-ce qu'on n'irait pas jeter un œil sur les réseaux sociaux pour savoir s'il y a un souci avec Twitch? Alors. Twitch est broken. Il y a plein de gens qui disent que Twitch est broken, on dirait, hein. Done detector status. Ah oui, tiens, je vais regarder ça. Hop là. Copier le lien. Users report. Indicate problème à Twitch. Ah bah oui. Ah, Yoda, en même temps, tu cherches. Regarder deux streams en même temps. Bon, écoutez. Ce que je vous propose dans ce cas-là, c'est que faut peut-être pas non plus insister, hein. Ah oui, est-ce que par hasard, effectivement, les rôles de Jeff Gerling, est-ce qu'il a fait des trucs? Alors, je pense que lui, il a dû faire du Docker-Docker. Si je cherche Podman. Tu confirmes, il a fait du Docker. Ok. Installing collections with Ansible Galaxy, gnagnagna. Oui, bah oui. Et lui, ton repo, c'est où? Containers. Open repository for containers tools. Oui, mais t'es qui, toi? Je veux savoir si tu es. Ah, c'est carrément les gens qui ont fait Podman. Ok, donc ça va, c'est legit. Ça a l'air d'être legit. Donc si je viens chercher ce rôle-là. Enfin, si je viens chercher cette collection. On va pouvoir faire quelque chose. Ah bah tiens, on pourra même essayer ça. Hop. On va se copier-coller ça, hein. Hop. Alors est-ce qu'il y a toujours des gens qui ont des soucis ou Hop là. Alors, donc a priori. On serait plutôt parti pour utiliser ce rôle-là. Enfin, en tout cas, ces collections-là. Ça semble ok. Bon, et eh ben, tant mieux si c'est bon pour vous. Alors. Allez. «
ce que je vais sans doute faire, c'est que je vais aller récupérer depuis eh ben, le repo du Labase Code, que vous connaissez sans doute déjà. Ansible, on va aller prendre le ansible.cfg. Hop. Est-ce que j'ai des trucs là-dedans qui risqueraient de poser souci? Non, a priori. Non. Ok. J'avoue, je suis un petit peu décontenancé par toute cette histoire. Ce que je vais faire, c'est que on va créer des rôles. Et dans le premier rôle, ce que je vais vouloir faire, c'est créer un rôle bah, qui s'appelle VPS, en fait. Alors. Est-ce que j'ai toujours pas mis Ansible à jour? Est-ce que ça répond à ta question, Sébastux? Oui, ça répond à ta question. Ok. Alors. Perso, tu passes par pipe. Ouais, je... Alors, j'avoue que j'ai une préférence pour installer des paquets RPM. Sur pas mal de trucs. Dès que je peux, généralement, je vais préférer utiliser des paquets RPM. Alors. C'est un choix, hein, c'est un choix. Je peux comprendre que... disons qu'au moins, l'avantage de Pip, c'est que t'installes de la même manière sur toutes les distribs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit hop. Et pour le moment, la machine, elle a pour IP... Hop, bah, j'en ai fait quoi de cette machine? Hop. Donc c'est... Oula, il y en a des choses. Mais en tout cas, c'était cette IP là. Hop. Faudra sans doute que je renouvelle ça à chaque. À chaque fois où je vais devoir. Et donc, on va appeler VPS. Hop. Et puis, on va faire un petit... On va faire un petit mkdir moins v. On va faire vars task handlers. Et... un petit requirements.
Remarque, j'ai peut-être pas be... Ah, oh, si, on va le faire. Hop. Et donc... Et a priori, le rôle qu'on veut essayer, c'est Ansible Podman Collections. Donc ça, c'est une collection, ok. Et moi, je veux voir les rôles qui sont dedans. Ansible Galaxy Init... Ah, Sébastux, ça, tu m'intéresses. Ah bah, remarque. Alors là, il me dit installation. Ah mais attends, dans ce cas-là... Dans ce cas-là... tiens, on va faire mv de vps, vps-hold. mv de vps.yaml, vps-hold.yaml. Et on va faire un petit Ansible. Galaxy. Init. Vps. Oui, mais ça fait un petit moment que j'ai répondu aux commentaires, effectivement. Oh, c'est parfait, ça. C'est parfait. Il va falloir que je m'en rappelle. Ok, bah comme ça au moins c'est pratique. Oh, il y a même un... Oh punaise. Parfait. Ah, et par défaut, licence BSD. Ok, ça me plaît, ça me va. Alors je pense que je commiterai rien ce soir. Hein. Mais... Ok, très bien. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant... C'est... Salut à toi, Full Full Twist. Bienvenue et bonne année. Alors... Où en étais-je? Oui, je voulais rajouter dans les dépendances... Alors, pour le rôle, tu peux enlever les accolades et le rôle de points dans mon playbook. Ah, ouais. Alors, attends. Ici, oui, effectivement. Hop. Oui, parce que c'est vrai que de toute façon, je vais mettre qu'un seul rôle, donc... ceci étant, bon, on verra après. Voilà. Alors. Donc j'ai mon arborescence, c'est cool. Et ce que je voulais faire, c'était... Hop, le requirements. Et justement, je voulais importer le rôle... je voulais importer le rôle... Ça c'est fait. Donc je voulais utiliser. Alors je voulais pas installer toute la collection. Je voudrais juste. Ah bah si, en fait, je vais. Je pense que je vais importer toute la collection. Hein. Je pense que je vais faire ça. Hein. Pas m'embêter la vie.
Ah, d'accord, je peux carrément rajouter ça comme ça. Voilà. Et alors là, ce qu'il nous propose. Allez. Task main.yaml. Et donc, a priori, on va pouvoir faire. Tiens, on va peut-être essayer de faire ça. Juste vérifier que ça fonctionne. Hop. Oh, j'aime pas ça. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ok. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. Il y a des chances que ça soit pas forcément très 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 fonctionnel, mais ok. Hop, et ensuite, eh bien, ça va être le moment de tenter. Oh, vous allez rire, mais j'ai perdu la mémoire avec cette histoire de Homelab en carafe. Parce qu'avant c'était facile, hein, il y avait l'historique. Donc Ansible, bah, ça va être Ansible Playbook. Hein. Playbook. Hop. Ça normalement, il n'y en a pas besoin. Hop. Rôle. Rôle, bah, vps.yaml. Hop. Alors. Il va nous dire quoi? Qu'il y a un souci avec. Il aime pas ça. Il aime pas quoi, le name? Il aime pas le name. Pourtant, j'ai utilisé la même chose que sur mon. Je serais tenté de vouloir faire un truc. Le VPS à la ligne avec un tiret. Ah, lui! Ah, pour toi, ce serait comme ça, en fait. Ouais, il en.
Non, VPS en dessous de... Ah ! Je crois que j'ai compris. Ça, voilà. Ouais, non, il veut toujours pas... Bah, en fait, d'habitude, je mets autrement. D'habitude, je fais un rolls. Mais... Ah bah voilà. Ok, unable to parse home nils.ansible inventory. Alors, c'est parti. Alors. Salut à toi, Vache Nucléaire, bienvenue. Alors, ce que je vais vouloir faire, c'est plutôt lui indiquer directement le fichier de conf Ansible. Est-ce que j'ai des trucs là-dedans? Inventory. Ah oui, si, tilde. Ok. Donc ça, il va falloir que je lui rajoute. Ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, on va lui dire... Hop. Ça devrait le faire. On va être optimiste. Hey! Déjà, ici est connecté. Ensuite, pourquoi il peut pas... Short-term resolution enforce, but cannot prompt without a TTY. Quand pull image redis. C'est pas grave. On va essayer de... je sais pas moi, si je fais... Peut-être falloir que j'aille chercher en fait le nom de l'image en fait. Donc plutôt que ça, on va profiter de notre truc ici. Si je dis d'aller chercher... tiens, si je fais créer un conteneur. Image. Et que je vais chercher une image Nginx. Ouais. Official build of Nginx. Tiens, ça me plaît bien. Allez. Remarque, si je fais Redis là-dedans, il me dit quoi? Parce qu'a priori, le truc est censé aller chercher une image Redis. Et il n'y aurait pas un registry avec de la F37 par hasard? Non, aucune image trouvée. Ah bah un docker.io, librairie. Registry. Allez, on va regarder chez docker.io. Redis Labs.
Ça m'a l'air pas mal, ça. Alors, si on revient ici et qu'on fait ça, ça devrait être mieux, non? Qu'est-ce que vous en dites? Hop. Alors, roulement de tambour. Où est-ce qu'il va se planter cette fois-ci? Merci beaucoup pour le follow, Tico. Merci à toi. Et bonne année. Alors. Il mouline, hein. Il mouline, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Tiens, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Hop, il y a un podman qui tourne. Et on a juste pour le moment... Ok. Hein, il a déjà fini ou il s'est... Ah, voilà, il s'est planté. Alors, pourquoi il ne peut pas créer un conteneur MyRedis? Là est la question. Bon, en gros, il se plaint qu'il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas les volumes. Ok, on va lui enlever les volumes. Je sais pas s'il va aimer comme ça. Hey. Alors, si on va regarder ici. En journaux, ok. Alors, qu'est-ce qui m'a... Alpine, Redis. Ouais, il a tourné. Il a tourné, mais... Ah si, il est même en fonctionnement. Ah non, ça c'est Alpine. C'est lui là qui ne fonctionne plus. Et j'ai bien le docker.io Redis Labs qui s'est lancé. Donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir réfléchir à des choses. On va pouvoir réfléchir à des choses. D'accord, il l'a. Ah, il l'a créé, mais est-ce que ça veut dire qu'il est running? Normalement, il a dit commande, state présent, recréer, yes. Ok. Alors, si on revient. Il est où? Il était où l'exemple? Il était là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... Parce que là, il nous refait la même, le même exemple. Si je vais dans les... Document... Ah, peut-être dans les tests, on va peut-être voir des choses. Non. Si, doc. Il y a quoi dans les docs? Bon, ça, c'est juste le... Alors, documentation... Alors, Podman Container. C'est bien celui-là qu'on a utilisé. Hein. Containers.podman.podman underscore container.
Ah, on peut même limiter, on peut, voilà, on peut s'amuser à limiter les nombres de ces plus, comme je disais en début de live. Et alors, ce que je voudrais voir, c'est est-ce qu'il y a moyen de lui dire. Est-ce qu'on peut lui dire de se lancer, de rester lancé ou de fonctionner en mode démon, non? Commande ready server, moment happen only, yes. State present, recreate, yes. Qu'est-ce qu'on a? Restart policy. Automatically remove the default false, le publish des portes, on l'avait pas. Ah non, on a exposé le port. State. Ah d'accord, donc par défaut, on a created. Nous on a mis state présent. Donc présent, c'est juste dire. Voilà, c'est que le conteneur, il est présent, mais ça veut pas forcément dire qu'il est started. Donc on va peut-être mettre started et on va voir ce que ça donne. Allez. Et bah ça a été rapide, logique, puisqu'on avait déjà récupéré le conteneur. Qui est toujours là. Et là, dans mon podman PS, j'ai bien mon Redis. Alors, je vais pas aller vérifier qu'il fonctionne, parce que je suis pas un expert Redis. Et si je vais jeter un œil du côté de pod, pas de podman, mais de cockpit, j'ai bien my Redis qui est en fonctionnement. Et je peux aller dans la console ou pas? Une erreur s'est produite. Ok. Ok. Ah, peut-être que je. Cannot resize container. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refresh. Je suis content. Je suis content, le. Hop. Faudra que je m'en rappelle quand même de cette histoire Ah oui, ça c'était la partie. Hop, c'est ici. Hop, role VPS. Là, d'avoir fait le init, c'est quand même bien pratique. Tiens, Podman. Comment ça, Podman? Il s'est planté le Podman? Non. Non. C'est pas possible ça. Échec du démarrage, nanana. Bon, faudra penser peut-être à. Ok. Et il n'empêche que le truc à vide, il consomme déjà 117% de CPU. Bon. Cours d'exécution. Ok. Et donc, si jamais je lui dis maintenant stopper, eh bien, une fois qu'on va avoir ça. Bah, de toute façon, bon, il y a écrit run, mais bon, ce serait plutôt stop qu'il faudrait que je mette.
Alors, il prend son temps. Ah. Il n'arrive plus à se connecter? Alors, qu'est-ce qu'elle veut la VM? Hop. Out of memory. Ouais, c'est le Redis. C'est le Redis qui est allé enfler en mémoire. Et forcément, le truc, c'est manger un OOM kill. Ce qui est somme toute assez logique. Hein. Donc vous saurez que 1 gig de RAM, ce n'est pas suffisant pour faire tourner un Redis. Et il en a mis du temps pour... Allez, on va l'arrêter. On va faire un arrêté forcé. De toute façon, le stop sur la partie Ansible, c'était juste pour le LOL. Je pense que je ferais mieux de rebooter la VM, en fait. Ça irait plus vite. Je crois qu'on va faire ça. Allez. Hop, allez. Donc là, normalement, le Ansible, il doit... Alors, lui, déjà, toi, génial. Voilà. Et toi, error. Voilà. Donc là, maintenant... Ah, tiens, oui. C'est vrai que cockpit, on l'avait pas activé. On l'avait juste lancé. Hop. Allez, pour le principe... Voilà, comme ça, ça c'est fait. Ensuite, ici, ce qu'on va juste faire, c'est pour s'amuser. On va l'appeler basic. On va l'appeler Fedora base, tiens. Allez, Fedora base. Et l'image, on va aller la récupérer. On va aller la récupérer ici. Allez, reconnecter. C'était celle-ci, hein. Ouais, Fedora. Allez, hop. Hop. Et ici, la commande à faire, slash bin bash. Et là, on va mettre started. Et ça. Hop. Ça, on s'en moque pour le moment. Allez. Un petit dernier. Hop. Fedora base. Créer. Quitter. Ah. Console. Le conteneur n'est pas en cours d'exécution. Pourtant, il l'a fait. Hop. Bon, je peux le redémarrer de toute façon. Bon, j'avoue que c'est quand même pratique, Podman, pour la partie juste graphique, observation. Comment j'avais fait sur l'autre, là? Ouais, j'avais fait pareil. Hop. Pourtant, je pensais l'avoir démarré. Bizarre. Ouais, j'ai bien mis started hein, en state. Hop. On va revérifier. Hop, et la doc dit bien started. D'ailleurs, c'est le truc par défaut. D'ailleurs, ce que je vais faire, tiens, je vais vous le mettre ici.
Je ferais mieux de mettre un slip 60, un truc du style. Peut-être, effectivement. Les Serbian slip. J'aurais même mettre 120 pour être. Hop, allez, c'est reparti pour un tour. C'est le dernier. Et voilà, en fonctionnement, effectivement. Et après, il va s'arrêter. Ok, très bien. Bon. Hop. Eh bien, braves gens, malgré les difficultés de Twitch, on a tenu le coup, on a fait notre stream du jeudi soir avec ce nouveau projet. J'espère qu'il vous plaît. Pour l'instant, on en est bien entendu qu'au balbutiement. Si jamais vous voulez voir les projets précédents et si jamais vous voulez continuer à voir ce projet, et ben c'est très simple. Il suffit, comme d'autres l'ont fait ici, de tout simplement follow la chaîne. Vous pouvez aussi vous rendre sur anotherhomepage.org pour pouvoir ensuite aller retrouver toute ma présence sur les réseaux sociaux, notamment mes comptes, certains vous pouvez les trouver ici. Vous avez bien entendu le Discord pour aller voir entre deux lives pour discuter. Et il y a aussi Twitter, Mastodon et d'autres réseaux sociaux sur lesquels je suis présent et sur lesquels j'annonce les streams au moment où je vais les lancer. Si jamais vous voulez voir d'anciens streams, toujours pareil, dans la liste en bas, vous trouverez le lien vers ma chaîne YouTube où l'abonnement sera fort apprécié. Habituellement, je stream donc les jeudis soirs de 20h à 22h et les dimanches en fin d'après-midi de 18h à 20h. Généralement, j'essaye d'avoir deux sujets différents entre les jeudis et les dimanches. Comme ça, ça vous permet, si jamais il y a un sujet qui vous intéresse plus que l'autre, eh ben, de pouvoir n'en suivre qu'un seul. Avant de se quitter, on va peut-être jeter un œil qui on va raider. Et visiblement, Virtual Labs est là. Donc, on va aller lui souhaiter la bonne année. Comme d'habitude, je vais sans doute mettre l'écran de fin un peu vite. Donc, restez quand même pour aller raider Virtual Labs. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous donne rendez-vous à dimanche et à jeudi prochain. Et d'ici là, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Thank you.